Yo, bande de rochers, c'est Darkmoon et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2, comme vous pouvez le voir, des packs de textures et celui-là est complètement buggé en 1.9. J'ai essayé de le patcher, malheureusement j'ai pas réussi, mais je vais vous présenter quand même parce que tout le monde joue en 1.8, il n'y a personne qui joue sur les snapshots, pas encore, donc peut-être que ce pack sera sorti d'ici là. Bah, d'ici à ce que vous y jouez, donc hop. On va se mettre en survie juste pour que je vous montre l'inventaire vite fait. Donc, à l'emplacement. Ah oui, mais c'est pas grave. Donc, ça, l'armure, les trucs pour craft qui sont du coup un peu buggés vu qu'on est en. Tac, tac. Non, là, ça va, c'est pas buggé. Ouais, bon. Il y aura certains objets que vous verrez qui viennent de l'1.9, donc qui. Comme les betteraves, hein. Qui ont leur texture de base. Donc, ça, c'est les patates, les carottes, changer aussi. Le blé, qui est très joli. Ça, c'est le truc de melon, les verrues du Nether, les cocobines. Tac. On est des fous. Le Lightstone, je sais plus comment on appelle ça. C'est pas bien grave. Enfin, oui, ça peut s'appeler la Lightstone. Donc là, c'est les haches pour nos amis bûcherons, les pelles. La canne à pêche qui est très sympathique avec des petits détails. Les cisailles, le lasso, donc ça c'est l'étiquette, là le name tag, les bibliothèques, bon, coffre, lit, les soupes, donc ça les soupes de champignons, et ça c'est les trucs de lapin, je sais plus comment ça s'appelle, le melon, les pastes, non les pumpkins, tac. Non, ah mais, enfin merde, vous m'avez compris, mec qui trouve plus les mots. Le pain, le nouveau légume, les pommes, donc il est buggé, hein, donc c'est le même en version normale. Les pommes, pop de nudge cookie, qui sont pas mal. Le gâteau, la faux, ça c'est les seaux, tac. Donc, le seau de lait, le bâton, la selle, les épées, hein. Pour ceux qui aiment bien se foutre sur la gueule, pardon. Donc là, hop, les potions. Ça, c'est le melon enchant. Tac. Les livres, les biblios, la table d'enchant. La potion d'enchant. Fiole, hein, tout simplement. Fiole d'XP. Les armures. Tac. Jukebox, après ça, c'est coffre de l'Ender. Voilà, je pense que là, on a fait un peu le tour. Lag parfois qu'ils mettent pas bien. Alors ça, on est dans le biome champignon, si mais ouais, biome champignon. Donc avec des champignons de type comme ça, hein, vous inquiétez pas, j'ai détruit un peu la map, hein, mais c'est, je vais la recharger après, vous inquiétez. Donc tac, y a plus rien à voir là. Ah oui, peut-être dedans. Voilà, donc les fours qui sont comme ceci, les tables de craft, tac, je vais le montrer comme ça. Voilà, de cette manière. Fou. Mais qui détruit complètement la map, c'est pas bien grave. Donc un cheval. Donc ça on s'en fout. Tac. Ça c'était les villageois, qui n'ont pas trop changé, mais qui ont une petite modification. Les chevaux aussi qui ont changé un petit peu, comme vous pouvez le voir. Ils sont pas mal maintenant. Tac. On va continuer parce que c'est pas les pièces les plus intéressantes. Hein. J'aimerais aller un peu plus vite parce que j'aimerais pas trop vous faire une vidéo trop longue. Donc les melons qui sont sympathiques comme ça. Tac. Qui détruit tout. Petit bruit. Donc ça c'est pour la Mossy Cobble. Ça c'est des lianes. Ouais, des lianes. La Mossy Stone Brick que j'aime bien aussi, qui est jolie. Le bouleau. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé le nom dans ma tête. Le bouleau, tout que personne n'utilise, donc on va s'en aller. La forêt de type normal, avec pas grand chose à vous montrer. Ah oui, peut-être les nénuphars. Ils sont sympathiques, toujours dans le style du bordel. Putain, par contre, les mobs qui gueulent. Je sais pas ce que j'ai entendu qui a fait. Comme ça, c'était assez fou. Les échelles, tac. Ou quel skill. Et puis ça, je vous ai montré les poissons. Tac. Les poulets. Et eh oui.
je lui mettre un coup dans sa gueule, mais je l'ai pas touché lui. Donc les biomes forêts, hein, enfin les biomes forêts enneigés, les taïgas, avec les zaps de cette manière, les loups, ils sont très mignons comme ça, ils me font bien rire. Hop, moi j'aime bien ce pack, hein, c'est un pack avec lequel je joue en ce moment beaucoup, hein, avec Xa. Donc les bambous de cette manière, les cactus, très jolis aussi, j'en ai pas vu beaucoup quand je jouais. Parce que c'était pas le but. Mais ils sont jolis, je les aime bien comme ça. Donc là, c'est le temple. Le temple, avec ça, c'est les tapis. Hein. Puis ça, on y a déjà montré. Tac, tac, tac. Les marais. Donc toujours avec les petits bateaux comme ça. Je pense que c'est la 1.9, hein, tout simplement, qui fait ça. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Ah oui, la petite cabane. Avec le chaudron qui est là. J'ai un petit bug de souris, hein, c'est. Excusez-moi. Du coup, on va faire comme l'autre fois, on va descendre en bas. Oui, parce que monter en bas, c'est pas. C'est plus compliqué déjà. Donc, avec les petites vaches du biome. Du biome champignon. Les piggies. Plus celle-là. Ah oui, je m'étais fait la réflexion l'autre fois. Les loups. Non d'adopter. Les loups adoptés. Petit cœur. Non. Pas sur celui-là. Les lapins, les vaches, les poulets, les Enderman, putain, qui font vraiment flipper pour le coup. Les bonhommes de neige, les machins d'Iron qui protègent les villageois, les villageois. Tac, on va voler, ça va plus vite. Les creepy chargés, les creepers, les espèces de coquillasses, les poneys de l'enfer, les poneys zombies. Je sais qu'Exa il en avait un comme ça, sur la piqûre. Les zombies, les villageois zombies, les bébés zombies, les bébés villageois, des squelettes, les petites araignées. Tac, 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 tac. Donc ça, c'est les poulpes. Donc ça, toujours les gros machins qu'on trouve dans les temples sous-marins. Les blazes, les squelettes de l'Ender. Les piggies. Ah, les magma cubes, ils sont jolis. Première fois que je les vois. Les slimes qui sont jolis aussi. Après, les deux autres étaient pas trop trop changés. Ça, c'est les matous. Les ocelotes, hein. Les lapins, il y en a une chie aussi. Hein. Comme les chevaux, regardez. Oh, tac, 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 tac. Je vous passe un vite fait. Parce que on va pas trop s'y attarder. Non, pas là. Tac, 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 tac. Les moutons! Les moutons donc de type normal, un peu plus gris, orange, tac tac, deux couleurs. Avec les bruits des moutons. Oh mon dieu. Bref. Donc c'est à peu près tout pour les mobs. Hop. Et tac tac, on y est déjà allé là. Bon, on va bien voir. Oui. Heureusement que j'ai dit que je recherchais la map. Donc là, il y avait quoi déjà? Ah oui, mais ça m'avait. L'autre fois, c'était pas très très intéressant. Et puis, c'est comment gaspiller du temps pour rien. Je vais essayer de vous montrer quand même le plus important. Tac. Tac, nous des sphères de particules. Les damage, s'il vous plaît, monsieur. D'accord. Petit cœur. Slime. Portable. Magic. Il y a les joueurs qu'on leur fout sur la gueule. C'est quoi? Ok. Donc ça, les explosions, bon, je suis pas sûr que ça soit très intéressant pour vous, hein. Sauf si vous faites de la TNT, hein. Après, tel est votre choix. Hein. Les petits effets d'enchant, ah, qui sont sympas. Qui sont très sympathiques. Donc là, les notes, et je pense qu'on va s'arrêter là comme ça. Là, c'était quoi? C'était rien, ça sert complètement rien, ça. On va grimper toujours plus haut, toujours plus fou, hein. Tac tac, on défonce les portes parce qu'on n'a pas le temps. Donc, le lapis, la redstone, l'or, l'émeraude, le diams, le fer, le coal et le charcoal, je pense. L'or, donc, le lapis, le diams, qu'on voit beaucoup, hein, qu'on voit bien, hein, mine de rien. Donc, ça, c'est les rails, l'émeraude, voilà. Le charbon, les rails fournaises. Du encore du diams. Tac tac. Puis voilà, je pense que je vous ai fait un peu le tour. Ah, peut-être le fer. Voilà, le fer. Tac tac tac. Donc, les torches.
Est-ce qu'elles avaient un truc particulier, les torches? Non, elles sont sympathiques, mais c'est pas folichon non plus. Donc le nether, avec l'enclume, mais l'enclume de l'autre fois, mais je mets le système, qui est assez sympa comme ça, tac tac. Avec la lave, ça c'est... Merde, je sais plus comment ça s'appelle. Putain, en plus, Dieu sait qu'on l'utilise, hein, ce truc-là. Tac tac. Où est-ce que c'est? S'il vous plaît, monsieur, mesdames, donnez-moi l'argent. Les quartz. Voilà, merci. Merci, monsieur. Merci, madame. Donc, on continue. C'est de l'autre côté. Là. Donc, le biome met ça. Avec des squelettes, je sais pas ce qu'il va en là. Donc, ça, c'est toujours la clé. Là, c'est ce qu'on appelle le royaume des Undermans. Bon, j'appelle ça comme ça. Hein. Tac, avec les petits bastions. Il semble pas que j'en ai déjà vu. Hein. De toute façon, j'ai pas fait l'Underman cette fois pour vous compter mes exploits. Donc, les petites éponges. Bon, ça, c'est les donjons sous-marins qui sont sympathiques, hein, très franchement, je les ai bien aimés. Madame, qu'est-ce qu'il y avait en haut? Qu'est-ce que j'ai fait? Rien du tout, ok, pour pas péter les portes. Donc, le biome mushroom qui est comme les autres biomes, c'est qui est fait sous le même système. On va pas s'y attarder tant que ça. Du coup, ça c'était quoi? Les bloom fleurs? Ouais, c'était ça. Donc les fleurs, qui sont sympathiques hein, à nos amis botanistes, fleuristes aussi. Hein. Si vous voulez faire des pots de fleurs dans Minecraft, ben allez-y parce qu'avec ce pack, c'est vraiment pas mal. La neige. Pourquoi il y a une botte enchante? Je sais pas. Est-ce que je l'ai reçue? Non. D'accord, c'est la base. Donc, la glace, qui est sympathique aussi, qui est jolie, j'aime bien. L'eau, hein, donc comme vous pouvez le voir, l'autre type de glace, c'est de la glace. Et la neige, ouais, c'est de la neige, très bien. Je pense qu'on a tout vu par là, tac tac. Pour l'instant, on est allé beaucoup plus vite que l'autre fois, hein, si vous vous souvenez, hein, pour ceux qui ont vu la vidéo. Donc, la redstone, j'avais dit, tout le monde s'en foutait. David il a fait mais non, enfin et que ça. Il a dit mais non, tout le monde aime bien la redstone. Est-ce que les amis, est-ce que vous aimez la redstone sérieusement? Parce que sinon je vous la montre, hein, dites-le moi. Mais voilà de la redstone. Wow, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau quand ça va tout péter. Tac tac tac. Pas trop quand même parce que j'aimerais vous montrer ce qu'il y a à côté. Tac le briquet, il est où déjà? Le mec complètement. Taré, tac, merci madame. Et hop. Allez hop. On s'écarte. Bon, je sais pas pourquoi je m'écarte, je suis en game mode, mais bon. Ah d'accord. Bon bah c'était le plus gros fail. Je peux pas tout faire péter. Ah si. C'est le jeu qui a bugué. T'as, j'ai eu peur que le créateur nous dise non. Bon, du coup, j'ai cassé un peu la map, hein, c'est pas bien grave. De toute façon, on l'a visité, c'est pour ça que je l'ai fait avant. Donc là-bas, c'était le portail pour passer dans l'Ender. La gueule du dragon. Et puis, c'est le bruit de ton. Oula, bonjour monsieur. Donc, un dragon plutôt type qualitatif, hein, on va pas se le cacher, on va pas se mentir. Qui est sympathique, qui est joli. Hein. Bon, toujours trop long et pincé au vest pour moi, mais bon. C'est pas bien grave. Donc les effets de particules. Non, je voulais voir les effets de particules. Bon bah du coup on se retrouve dans le Nether, c'est pas voulu. Bon bah vous voyez à quoi ça ressemble, mais je vous l'ai déjà montré, donc bon, c'est pas fou non plus. Du coup, tac tac, non de l'autre côté. Excusez-moi messieurs, mesdames. Allez, voilà. Donc qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre hein? Je pense que c'est bon. La pluie, avec peut-être le jour. Donc la pluie qui est sympathique, hein, avec ses petites particules au sol. Tac. Avec le night. Thunderstorm.
voir un petit peu les orages. C'est pas bien grave. Donc l'avantage, je vous l'avais déjà montré, vous entendez le dragon qui braille là-bas, mais c'est pas bien grave. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, je vous remontre un petit peu les graines parce que j'ai passé outre hein, tout à l'heure. Ça, c'est des patates empoisonnées. Puis, je pense que c'est à peu près tout. Voilà, j'espère que ça vous aura plu pour un deuxième épisode un peu mieux foutu, je pense. Un peu plus rushé aussi, hein, bien entendu. Et en tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ce que je vous ai demandé aussi, ça me ferait plaisir d'avoir vos retours. Et je vous dis à la prochaine. C'était Dark Moon. Bye.